mama kuni madu. Tese makoto ote ote ote. Ote. Ote ote. Madu ya iule na maki. Deme tumatin awa yebe. Deme tumatin awa yebe yo. Awa yebe ya fu. What they Merci beaucoup, Elage Kakali. Bonsoir, Oumar Diallo. À 400, on démarre. À 400, on démarre. Oh, shit. Voilà. Bonjour tout le monde, laissez-moi rire d'abord quoi. Même le téléphone n'a pas tenu, il est tombé quoi. Tellement le mensonge est gros. Tellement les gens sont bêtes, ils n'ont plus de preuves quoi. Voilà. Donc bonjour tout le monde et bienvenue sur votre page. Il y a un moment là, on a vu des photos qui circulent parce que le procureur est en manque de preuves contre Madik Sans Frontières. La justice ne peut pas condamner Madik Sans Frontières sans preuve. Les réseaux sociaux sont calmes parce qu'il n'existe pas de preuve contre Madik Sans Frontières. On ne peut pas le condamner pour ces faits-là, pour ces vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas constitutif d'infraction à la loi. Tous les éléments constitutifs pour que ce que Madik faisait soit considéré comme une infraction, soit considéré comme attaque contre la Guinée, les éléments ne sont pas réunis. Donc c'est un dossier vide. L'avocat de Madik, si c'est une vraie justice, n'a même pas d'effort à fournir. Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Et un beau jour, on voit une capture, un petit capsule, où Madik est arrêté, il montre les armes comme ça dans une boutique. Il montre comme ça. Et j'ai fait une vidéo précédemment, pour vous dire que cette vidéo-là, c'était fait contre Fadiga. Et heureusement, merci à Ibrahim Dalin qui est parti faire ressortir cette vidéo qui date de novembre 2019. C'était bien avant que j'aille en Guinée. Je me rappelle de ces temps, ces clashs indirects entre moi et Madik. Donc, dans cette vidéo, il était question de me montrer parce que moi, je m'attaquais à ceux qui faisaient des vidéos en portant des tenues militaires. Parce que c'était le style de Madik. Et tous ceux qui font des vidéos là, en portant des tenues militaires, ils ont copié Madik. Donc, quand j'ai fait une vidéo, j'ai critiqué cet état de fait. Madik est sorti, il est parti montrer. J'ai dit même que c'est des tenues pacotis qu'on paye sur Internet et puis on vient livrer. Donc, il est sorti sur le coup. Il a montré d'abord sa voiture que des maudits là n'ont pas montré. Il est parti dans la boutique. Il a d'abord parlé en rentrant avec celui qui vend là-bas. Ils n'ont pas montré ça. Et ils n'ont pas montré le contenu de la vidéo. Au lieu de montrer la photo, pourquoi ne pas montrer la vidéo où Madik paye les armes, où on embarque les armes pour les transporter en Guinée?
Pourquoi ne pas faire ça? Ils vont prendre une petite partie et puis ils viennent exploser ça. Et Madik avait payé des armes. Oui, il voulait attaquer la Guinée. C'est Facebook qui attaque la Guinée, des maudits réunis comme ça là. Le procureur, il est en manque d'éléments de preuve. Donc, il faut créer le doute dans la tête des gens. Avec la technologie, nous, on ne dort pas. La vidéo est sortie. Et dans la vidéo, en aucun moment, il a prononcé le nom de la Guinée même. En aucun moment, il a prononcé le nom de Alpha Condé. Toute la vidéo, c'était Fadiga a fait ça, Fadiga, je suis meilleur que toi, je suis comme ci, je suis comme ça. Toute la vidéo dura. Et si vous prenez une capture d'écran pour nous montrer ça, vous mentez. Vous mentez. Allez chercher encore parce que tous les éléments ne sont pas réunis pour condamner Madik, pour condamner Souleymane Kondé. D'ailleurs, Souleymane Kondé, leur jugement, c'était hier. Moi, je croyais que c'était le 21. Vous avez vu comment ça s'est passé. C'est des gens qui ne vont pas baisser la main. Plus le mensonge est gros, plus les gens croient. C'est les RPGs qui croient en ça. Pas nous en tout cas. Nous, on ne va pas croire à ça. Donc, des maudits réunis, ce sont eux qui... Je viendrai avec une vidéo pour répondre ces maudits-là. Quoi. Cette vidéo, c'est pour dire aux gens de se tranquilliser. Ça, ce n'est même pas un élément de preuve. Ils n'ont pas de preuve. Parce que tout ce que Madik faisait, une bonne justice ne va même pas considérer. Ils ne vont même pas considérer. Et un état sérieux n'allait même pas regarder Madik. Parce que tout ce qu'il disait, c'était irréaliste. Irréaliste veut dire non, mon homme a badi. Irréaliste. Si vous voulez, tant mieux. Mais tout ce qu'il disait, c'était de la scénario, comme s'il était dans le film de Jack Bauer. La vidéo existe. Pourquoi vous ne partagez pas ces vidéos? Toutes ces vidéos sont sur sa page. Allez prendre des vidéos et puis mettez ça. Si vous voyez, ils n'ont rien montré jusqu'à présent. Madik n'a même pas été présenté au juge parce qu'il n'y a rien. Et vous n'êtes pas sérieux, quoi. Vous n'êtes pas gentil. La maman du gars, elle est inquiète pour son enfant. Quelle que soit la situation d'un enfant, même si c'est le plus grand bandit du monde, regardez sa maman. Regardez sa maman. Même Fatignoloy, qui critiquait beaucoup, quand elle est partie voir la maman de Madik, elle est venue dire non, franchement, libérez Madik sans frontières. Libérez-le. Franchement, sa maman est inquiète. Il n'y a pas d'élément contre Madik. Il n'y a pas d'élément. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux là. Mais en France, les Français font pire. Les Américains font pire. Ailleurs, les Ivoiriens font pire. Mais pourquoi les justices de ces États-là ne les regardent pas? Parce que notre justice n'a rien d'autre à faire. C'est un blogueur que vous partez prendre. C'est lui qui n'a la force que son téléphone. C'est juste son téléphone qu'il a comme la force. C'est juste leur téléphone. Les Souleymane Kondé, les Madik. Au moins quand vous disiez, Fonike Menge, c'est. Parce que eux, ils sont sur le terrain. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Et ils agissent. Les Fonike Menge et les autres. Mais les blogueurs, c'est en Guinée seulement. Tu peux voir un État qui retrousse ses manches dire on va faire du mal au blogueur. Un blogueur n'a que son téléphone. C'est un téléphone qui va déstabiliser un État. Alors on a un État faible. On a un État qui ne se respecte même pas. Un État qui ne se respecte même pas. Regardez le Rasba du Mali. Mais il fait pire que ça. Il fait pire. Il dénonce pire que ceux qui sont en prison. Mais si on dit aujourd'hui, dès que quelqu'un vient, on le prend, on le met en prison parce qu'il a fait des vidéos. Mais on va où là? On va où là? On va où là? Vous n'avez pas de vidéos? Allez chercher encore des vidéos. En tout cas, la photo que vous avez montrée là, cette photo, c'est une vidéo qui était adressée à Fadiga. Et Madik n'a jamais agité des armes là-bas ces jours-là. Il était juste parti montrer que c'est là-bas, lui, il paye ses éléments. C'est là-bas. Donc, il faut arrêter. Allez chercher encore. Dites au procureur encore de chercher, d'utiliser sa tête. Mais c'est ce qui est sûr. Avec une justice sérieuse, il n'y a rien contre les Madik. Il n'y a rien contre les Souleymane. Il n'y a rien contre les Fonike Menge. Il n'y a rien contre tous ceux qui sont en prison. Les Ousmane Gawal.
n'y a rien contre eux. Ils n'ont rien fait pour qu'une infraction soit considérée comme une infraction, comme contraire à la loi. Il faut quatre éléments constitutifs de l'infraction. Il faut quatre éléments. Et pour m'a dit qu'il n'y a même pas deux. Il n'y a même pas deux. Il a fait des vidéos. Son père est parti reconnaître à la radio. Son père a dit qu'il faisait des excès. Mais où est le problème? Où est le problème? Et de surcroît, son père s'est battu corps et âme pour le RPZ. Corps et âme pour le RPZ. Il a tout perdu pour le RPZ. Jusqu'à perdre sa fille pour le RPZ. Alpha Condé n'est pas au commandé. On drogue sur Aïr. Hang, afatira d'arnafana. Afatira d'arnafana. Vous allez comprendre.